Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette petite vidéo. On vous l'avait dit, on va parler de Halo Infinite et du flight test pendant un moment. Aujourd'hui, quelques membres du staff Halo.fr ont pris quelques minutes pour vous partager leur avis. N'hésitez pas à réagir vous aussi dans les commentaires. On se retrouve en fin de vidéo, à tout de suite. Salut la communauté, c'est Alcorac, le rédacteur chef de Halo.fr, pour débriefer avec vous le flight de Halo Infinite qui s'est terminé il y a déjà plus d'une semaine. On aura appris beaucoup de choses pendant cette preview technique, parce que depuis la démo de campagne du Xbox Game Showcase l'an dernier, on n'avait pas vraiment eu l'occasion de voir le jeu tourner, on avait un peu de mal à se faire une idée du gameplay. Moi ce que je vais retenir de ce flight test, c'est la sandbox. À mes yeux, c'est une grande réussite de 343. On a chaque arme qui a vraiment un rôle qui lui est propre, un gameplay aussi qui est unique. Le BR et le commando, ils s'utilisent pas du tout de la même manière, par exemple, alors que ils sont tous les deux classifiés comme des fusils tactiques. C'est pareil avec le fusil d'assaut de l'UNSC, le MA40 et la carabine à impulsion. Ils jouent assez différemment, alors que c'est tous les deux des fusils d'assaut. J'ai une petite mention spéciale pour le sidekick, qui est vraiment super agréable à jouer. J'avais un peu peur qu'on se retrouve avec une arme de points humaine un peu inutile, comme le Magnum de Halo 2 ou pire celui de Halo 3. Clairement c'est pas le cas, le sidekick il peut se mesurer à d'autres armes sans problème. Le Bulldog aussi c'était une des armes que j'attendais le plus, et clairement il m'a pas déçu. Les fusils à pompe c'est souvent mes catégories d'armes préférées dans les FPS, et Halo Infinite a pas l'air de faire exception à la règle. Hein. Même si je partage l'avis d'Eridil quand même, sur l'autre fusil à pompe du flight test, le Heatwave, l'arme Forerunner qui tire des projectiles rebondissants, comme lui, je trouve qu'il est un peu faiblard, notamment dans son mode de tir vertical qui demande quand même beaucoup plus d'adresse pour son utilisation, pour un bénéfice au final qui est franchement assez relatif. Mais quand même, on a une fondation pour une arme très chouette, et il faut juste que 343 le rééquilibre un petit peu, et puis ce sera parfait. Pour continuer dans la sandbox, parce qu'il n'y a pas que les fusils, il y a aussi les équipements, et ceux qui suivent la chaîne de près savent que j'attendais de pied ferme le grappin, et franchement, je suis comblé. La physique du grappin et les possibilités de mouvement lorsqu'on s'en sert, ça se rapproche beaucoup de Titanfall 2, et c'est un des meilleurs compliments, je pense, que je puisse faire à 343, parce que le déplacement au grappin avec Titanfall 2, c'est vraiment une expérience de jeu assez unique, qui était sans pareil jusqu'à ce que Halo Infinite pointe le bout de son nez. Et donc voilà, le grappin de Halo Infinite, c'est approuvé par Alcorac, et je suis persuadé que Microsoft va s'emparer de cet argument de vente imparable et l'imprimer sur toutes les jaquettes du jeu. Au niveau des maps, je pense que Lifefire, j'en avais un petit peu marre à la fin du flight test, parce que comme elle était là les 3 jours, on a un peu fait le tour du truc. Par contre, Bazaar était très chouette, très réminiscente évidemment de Halo 2, c'était le but. Avec plein de chemins d'accès différents pour aller au fusil à pompe en bas. Dans l'espèce de cave, on pouvait y aller évidemment par les escaliers, mais il y a aussi un accès dissimulé en haut, derrière le point d'apparition du spanker. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'accès différents, c'est très agréable. Recharge aussi était vachement bien. Ça, la Recharge, c'est la carte que je retiens. Et évidemment, un petit peu parce qu'il y avait possibilité de faire le combo marteau anti-grave et grappin, mais aussi parce que de manière générale, c'est une map très agréable à jouer avec beaucoup de points d'intérêt autour desquels les joueurs pourront se battre. Il y a les tours, il y a évidemment les points d'apparition pour le marteau, le point d'apparition pour le ravageur. Il y a beaucoup d'endroits assez intéressants sur cette map là. Et puis, quand même, un petit truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'objets destructibles. Par exemple, sur Bazaar, vous pouvez détruire les tables dans un espèce de bar à un étage juste en leur fonçant dedans, ce qui est quand même très agréable et qui renforce un petit peu le feeling de jouer un super soldat d'une demi-tonne. Il y a beaucoup d'objets destructibles comme ça. Au niveau de la Spartan Academy, les exercices de tir sont sympas. Après, je pense que c'est surtout pour apprendre comment fonctionnent les fusils, c'est pas vraiment pour apprendre à affronter d'autres joueurs, parce qu'au final, même au niveau 3, les bots, ils n'ont pas un comportement très humain. Mais parlons-en de ces bots. Les bots, pendant les matchs, ils avaient des déplacements, assez réalistes,
Mais ouais, ça ressemblait vraiment à des déplacements que des joueurs pourraient faire. Après, bon, ça reste des bots qui sont très vite prévisibles, et plus le flight test progressait, plus on apprenait à les battre en apprenant leur premier mouvement dans les matchs, etc. Au niveau de la personnalisation, on retourne à un système assez allocatresque, j'ai envie de dire, dans toutes les possibilités de personnalisation, dans tous les slots de personnalisation de l'armure. Et autre chose au niveau de la personnalisation que j'ai beaucoup aimé, ce sont les IA. Alors, à mon avis, peu de personnes ont pu vraiment en bénéficier parce que bah, y avait un bug qui faisait que les IA ne fonctionnaient pas dans une autre langue qu'en anglais. Mais vraiment, les IA de l'armure, leurs commentaires sont parfois très, très drôles, mais aussi très utiles. Voilà, elles nous préviennent par exemple quand il y a des armes lourdes ou des outils puissants comme l'armure qui réapparaissent. Et puis bien sûr, un dernier petit mot sur la musique. Vraiment, on a vu déjà des extraits très sympas, mais la musique à laquelle on a eu droit dans les menus, vraiment, 343 a fait un très chouette boulot. Bon bah voilà, c'était un petit peu mon ressenti suite à ce playtest. Je vous laisse en compagnie de Kino et des autres personnes de l'équipe Allo.fr qui ont choisi de vous donner leur avis. Je vous dis à très bientôt, et surtout, vive Allo! Hey yo tout le monde, c'est Terridil. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de cette flight test de Halo Infinite? Eh bien déjà, je dois dire que je l'attendais au tournant. Personnellement, je suis convaincu que la campagne me plaira. J'aime beaucoup la direction artistique que le jeu prend, que la saga Halo prend. Mais s'il y a un point d'interrogation, une chose sur laquelle je voulais être rassuré, c'était sur le gameplay. Alors bon, la bêta a porté sur des affrontements avec des bots, c'était peut-être pas le sujet le plus passionnant, bien que je trouve qu'on a eu de bonnes surprises là-dessus, mais en attendant, on a pu tester les armes, tester les déplacements, tester les mécaniques de jeu, et en fait, et bah, tout simplement, se rassurer sur toutes ces questions que l'on se pose tant qu'on n'a pas eu la manette dans les mains et qu'on a pu jouer au jeu. Alors voilà, la bêta est arrivée tant bien que mal, il y a eu quelques petits soucis au niveau du déploiement, au niveau des serveurs. Voilà, ça reste une preview technique, une vieille build, et je dois dire qu'au final, bien que ce soit une vieille build, eh ben, je l'ai trouvée particulièrement stable, particulièrement agréable, avec de bonnes performances, des graphismes très 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 corrects par rapport aux performances, puisque le jeu était en 120 FPS sur Series X, ce qui est assez impressionnant. Et ben moi j'ai été tout simplement convaincu par le savant mélange qui a été cette bêta entre Halo 2 Anniversary et Halo 5, mais pas que, puisque elle va piocher de bons éléments dans tous les Halo de la saga. Et donc voilà, moi cette flight test, et ben au final c'était vraiment pas vraiment une surprise, mais ça a été vraiment une très bonne surprise, on va dire, un très bon feeling avec ce Halo Infinite, et il me tarde vraiment la prochaine. Et salut, c'est Matroskia, je fais partie du staff vidéo sur YouTube de Halo.fr et je vais vous faire part de mon avis sur le flight test de Halo Infinite. Pour ma part, j'ai pu tester la première map et par la même occasion les bots qui m'ont agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand chose pour être honnête, mais leur niveau en marine était vraiment bon. Le feeling avec la manette en main est génial, j'ai retrouvé un multijoueur qui bouge à la Halo 5 mélangé au multijoueur des premiers Halo. Et concernant les graphismes, j'ai rien à dire, en tout cas sur Series X, le jeu était magnifique et sans lag, alors j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec le jeu final tout simplement. Concernant les sons, les OST du menu étaient incroyables, et ceux des armes et des environnements in-game étaient tout aussi géniaux. Pour mes petits points négatifs sur la bêta, c'était l'absence des animations d'assassinat dans la bêta, mais j'espère les voir dans le jeu final, et aussi les médailles un peu trop petites à mon goût in-game, mais leur affichage dans le menu post-partie, il était parfait. Les atouts à la Halo 3 sont vachement bien aussi, je n'ai pas pu tester personnellement le grappin, mais je l'ai vu à l'œuvre via des lives, et il a l'air vraiment hyper fun à jouer. Bref, mon avis sur cette bêta est clairement à 99% du positif. Ça annonce juste du lourd pour la sortie dans quelques mois, et ça me donne encore plus hâte de voir la campagne et le Major en action avec ce gameplay qu'on a eu du multijoueur. Et bien sûr, les mots de la fin pour moi, vive Halo! Eh bien bonjour à toutes et à tous, Spartan, c'est Max17, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous donner mon avis un petit peu sur cette bêta qu'on a pu tester, ou plutôt ce flight test
de Halo Infinite, donc ça fait vraiment plaisir de mettre enfin les pieds sur ce Halo Infinite. Alors, c'était très court, ça a duré qu'un week-end, j'espère qu'on aura d'autres flights prochainement, mais en tout cas, très hâte que le jeu arrive fin d'année. Alors déjà, premièrement, je vais vous parler du coup un petit peu des maps, des armes, des graphismes et des armures. Donc moi, au niveau des maps, j'ai vraiment bien aimé, je pensais qu'on en aurait un peu plus pendant ce flight, mais voilà, on a quand même pu tester trois maps différentes. Une map assez ouverte, qui était plutôt très belle graphiquement, une map qui était plutôt fermée, donc ça nous a permis de tester un peu le grappin, donc c'était pas mal. Mais peut-être un peu trop sombre, un petit peu trop sombre comme il y avait sur Halo 5, et certaines j'ai trouvé beaucoup trop sombre. Et ensuite la troisième, donc Bazar si j'ai pas de bêtises, était pas mal, mais je pensais pas qu'on aurait testé une map comme ça. Bon, en tout cas voilà, très très agréablement surpris de ce qu'on a vu graphiquement sur les maps, même comment sont posées les armes, tout ça, même le grappin, je pensais pas du tout qu'il serait adapté comme ça, où on peut l'utiliser comme un équipement, enfin la façon dont c'est très bien fait, je pensais juste pas que ça serait comme ça. On peut l'utiliser trois fois et au bout de trois fois, bah, du coup on l'a plus, et après il spawn au niveau des petites stèles. Et je trouve ça vraiment très bien. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Puis concernant le fait qu'on puisse choper les armes directement avec le grappin, ça c'est une nouveauté, je pense qu'il va plutôt pas mal changer le multijoueur. On verra bien comment ça va être utilisé par les joueurs, mais de ce que j'ai vu sur certaines vidéos, il y en a, ils l'ont plutôt bien développé, où ils arrivaient à choper avec le grappin le rocket à distance, hop, ils le récupéraient. Et donc on verra bien comment c'est utilisé par les joueurs, mais ça risque de changer pas mal le multijoueur, ce petit grappin. Donc voilà, pour le grappin et même pour les maps, elles étaient pas mal. Au niveau des armes, donc ils ont fait aussi un mode entraînement, donc le mode académie qui est vraiment excellent. On peut tester nos armes, on peut s'améliorer et tout ça, donc ça c'était vraiment top. Et tout ce que j'ai pu voir sur les armes, même les nouvelles armes qu'on a pu tester, franchement excellent. De toute façon, vous allez voir, mon avis il est pas très négatif hein, sur le jeu, j'ai vraiment tout apprécié. Il y a juste une arme paria, j'étais pas trop fan, c'était le tir qui partait dans tous les sens comme ça. Je me rappelle plus le nom, mais j'étais pas trop fan, mais surtout le reste des armes, de ce que j'ai pu voir, j'ai adoré. Le BR style, un peu design Halo 2, tout ça, j'ai vraiment kiffé. Au niveau de l'AR, donc le fusil d'assaut qui tapait plutôt pas mal à distance, donc j'espère qu'ils vont le patcher d'ici là, parce que c'est vrai qu'à distance, autant jouer à l'AR que le BR, quoi. Mais bon, à mon avis, ça sera patché d'ici là, donc pas d'inquiétude pour ceux qui se disaient, oui, autant jouer à l'AR et puis au Needler, parce que les deux, ils sont assez cheatés. Mais bon, à mon avis, d'ici là, ça sera corrigé, donc voilà. Et grosse mention spéciale pour le BR que j'ai adoré, le sniper qui est plutôt lourd à jouer, mais il prend pas tout l'écran comme sur Halo 4 et Halo 5, hein. C'était vraiment un micro-ondes le machin, et là sur Halo Infinite, non, il est vraiment plus design, et je dirais pas qu'il est plus simple à jouer, mais bon, on verra quand le jeu sortira si c'est beaucoup mieux. Là, moi j'ai un peu galéré, je vous avoue, que le sniper, mais c'était pas mal quand même. Et ensuite, pour terminer, j'aurais bien voulu vous parler des véhicules, mais on n'a pas vu de véhicule directement en jeu. Enfin, je veux dire, on n'a pas pu y jouer. On les a vus dans le menu, mais c'est tout. Donc je vais vous parler, pour terminer, des armures. J'ai trouvé les Spartans vraiment très bien faits, même au niveau des designs d'armure. Donc du coup, pour tous ceux qui ont bien suivi les news d'Halo.fr, vous avez bien vu, du coup, même sur les vidéos, il n'y a plus de couleur, en fait, d'équipe. Enfin, il n'y a plus vraiment une équipe bleue, une équipe rouge. C'est chaque Spartan a sa propre armure, avec ses couleurs à lui. Et ensuite, c'est une surbrillance autour de l'armure qui fait qu'on voit... justement, qui est l'ennemi de l'allié. Et j'ai eu un peu de peine par moment à essayer de trouver qui était mon ennemi de mon allié, quand on se croisait sur des couloirs, mais après, je pense que ça, c'est une question d'habitude, ça viendra peut-être. Mais c'est vraiment une nouveauté qui peut être pas mal, donc à tester. On verra bien par la suite ce que ça donne. Mais au début, c'est vrai que pour s'y faire, c'est pas évident, mais je pense qu'on s'y fera. Et niveau des visières, les visières, elles sont super classe. De ce qu'on a pu voir dans le menu quand on voulait les personnaliser, c'était très classe. Et d'ailleurs, petite mention spéciale pour le menu qui était vraiment pas mal, ça me faisait penser au menu qu'il y avait sur Halo 5 lors de la bêta, qui était vraiment très dynamique comme ça, c'est vraiment pas mal. Bref, voilà pour mon avis sur cette bêta, enfin sur ce flight test d'Halo Infinite. Et j'ai très hâte de reposer les pieds sur ce Halo Infinite, que ce soit sur un flight ou même le jeu directement. Donc j'ai vraiment très hâte. Et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu sur Halo.fr, que ce soit sur la Master Chief Collection, Halo Wars 2, Halo 5, mais surtout Halo Infinite. Allez, à très bientôt, ciao ciao Spartan. Salut à tous, c'est Plasma. Alors du coup, de mon côté, moi je suis responsable de la plateforme Halo.fr et j'ai eu la chance d'être invité sur le flight test de Halo Infinite. Du coup, ce que je peux en dire, c'est que globalement, ça m'a vraiment réconcilié avec le gameplay d'Halo en multi. C'est-à-dire que j'ai pas trop joué à Halo 5, mais je trouve que Halo Infinite trouve un équilibre entre les jeux récents et les jeux moins récents, qui allient à la fois Halo 5 et je dirais Halo 2 Anniversary. Globalement, sur le flight, si je devais commencer par les points négatifs, je dirais que c'est un peu la partie organisationnelle qui m'a un peu déçu, à la fois sur le lancement, sur le mode et map qui tombait au compte-goutte, sur le clôture des retours. Mais bon, on va dire que c'est un coup d'essai pour les prochains. J'ai vraiment hâte de tester le prochain flight, qui sera normalement axé sur le PVP.
Mais cette fois avec un petit équilibrage des armes, parce que c'est vrai qu'il y avait des armes qui étaient un peu abusées sur ce premier flight, et pourquoi pas une petite upgrade graphique au passage, vu que la build qu'on a testée datait un petit peu de quelques mois. Si je devais relever les points positifs, je dirais que j'ai été très surpris par les bots, le nouveau système de bots, donc avec une intelligence artificielle qui était vraiment intéressante, bon certes imparfaite, mais vraiment très intéressante. Et aussi la Spartan Academy que j'ai trouvé pas mal, je trouve que ça rajoute un petit plus, et je pense que certains vont bien s'amuser à essayer de détruire les records mondiaux sur les différentes armes. Voilà, globalement j'ai vraiment passé un très bon moment sur l'ensemble du week-end, ça annonce que du bon par la suite, et ce que je peux dire c'est que je suis vraiment rassuré par rapport aux présentations de l'année dernière. Voilà. Allez, pour clôturer cette vidéo, je vais moi aussi donner mon avis rapidement. Pour moi, ce flight test était très propre, pas de bug vraiment apparent, c'était stable, et c'est vraiment bon signe pour le jeu final. Quant au jeu en lui-même, j'ai trouvé l'académie intéressante, mais plus le temps passe et plus je crois que je suis un adorateur des modes un petit peu secondaires sur Halo. Bref, les bots sont vraiment cool et il me tarde de voir comment on peut les utiliser, notamment dans le domaine créatif. Ça serait vraiment cool qu'on puisse s'en servir pour les machinima par exemple. Le gameplay en lui-même, c'est un mix parfait entre tous les Halo sortis jusque-là. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est de trouver finalement assez peu de vraies nouveautés de ce côté-là. Alors oui, il y a quelques armes, mais après j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus qu'un grappin. Cet avis ne concerne que la bêta, avec le jeu final, les choses seront peut-être différentes. Ça a été un plaisir pour nous tous de partager un petit peu notre avis sur ce futur jeu. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. En attendant d'en savoir plus sur le prochain Halo Infinite, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et vive Halo !